Malade, tu parles. Moi aussi je me sens pas bien. Et pourtant, je travaille quand même. Quoi? Il est encore malade? Il est encore pas là. Le jour où on doit choisir le projet en plus. Arrêtez. Il doit avoir une bonne raison de ne pas être là. Mais arrête de le défendre. Pour la peine, il aura le projet que personne ne veut. Laissez-moi! Allô? Salut, comment ça va? Tu donnes plus de nouvelles depuis un moment? Ça va. Est-ce que tu t'en sors là de ton projet? Oui. Si jamais t'as besoin, hein. Ok! Je suis vraiment fatigué, moi, je vais aller me coucher. Hein. Est-ce que t'es allé chez le médecin? Mais je suis très occupé en ce moment. Prends rendez-vous chez le médecin. Vas-y. Mais non, j'ai pas le temps. T'as intérêt d'y aller. Sois un peu courageux. Tu sais très bien que je peux pas y aller. Je veux rien savoir, prendre rendez-vous. Bon, non, tu sais très bien que... Tu vas te faire virer si tu vas plus au travail, donc tu vas chez le médecin. D'aide. Sortez de chez moi, sinon j'appelle la police. Vous avez été infecté par la maladie. Moi seul connais le remède. Non, sortez de chez moi.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis là pour vous guérir. Bonjour madame. Bonjour docteur. Jeune homme. Si vous voulez entrer. Ne sois pas douillé, c'est pour toi. Calme-toi. Laisse-toi faire. Allez, ça suffit maintenant. Ne t'inquiète pas. Je suis là uniquement pour te soigner. N'aie pas peur.